cadre d'évaluation des apprentissages en français au primaire. Cette présentation a pour objectif de vous informer des changements apportés à l'évaluation des apprentissages en français, langue d'enseignement. Dans un premier temps, les changements au cadre légal, effectifs à compter du 1er juillet 2011, seront abordés. Par la suite, un survol de la progression des apprentissages sera fait et finalement une présentation proprement dite du nouveau cadre d'évaluation en français, langue d'enseignement au primaire, sera proposée. Pour assurer les changements dans les pratiques évaluatives des enseignants du Québec, le gouvernement a amendé le régime pédagogique en introduisant un nouveau cadre d'évaluation. Le régime pédagogique est l'ensemble des principes et des règles régissant les services éducatifs, leur cadre d'organisation ainsi que la sanction des études. En 2001, le programme de formation définissait les compétences à développer, les savoirs essentiels à connaître et les critères d'évaluation qui permettaient aux enseignants de juger du développement des compétences chez leurs élèves. En 2009, paraît la progression des apprentissages, un complément à chaque programme disciplinaire. Ce document, mis à la disposition des enseignants pour les aider dans leur planification, apporte des précisions sur les connaissances que les élèves doivent acquérir et être capables d'utiliser à chaque année du primaire. Et en juillet 2011, s'ajouteront de nouveaux cadres d'évaluation des apprentissages qui, eux aussi, seront prescrits. Comme ils sont tous prescrits, le programme de formation de l'École québécoise, la progression des apprentissages et le cadre d'évaluation des apprentissages sont donc des référentiels premiers pour l'enseignante et l'enseignant. La politique d'évaluation des apprentissages et le cadre de référence de l'évaluation des apprentissages au préscolaire et au primaire demeurent des outils de référence qui guident les pratiques évaluatives de tous les enseignants du Québec. Quant aux échelles des niveaux de compétences, elles ne seront plus prescrites par la loi. Toutefois, elles demeurent des outils de référence importants qui peuvent guider les enseignants dans l'évaluation des apprentissages. Finalement, en ce qui concerne les épreuves ministérielles obligatoires, aucun changement n'est prévu. À la fin de la quatrième année du primaire, les élèves auront à vivre l'épreuve ministérielle en écriture et à la fin de la sixième année, l'épreuve de lecture et d'écriture. Voici maintenant un survol de la progression des apprentissages et du nouveau cadre d'évaluation des apprentissages. La progression des apprentissages en français langue d'enseignement est un complément au programme actuel. Elle apporte des précisions sur les connaissances que les élèves doivent acquérir au cours de chacune des années du primaire. Les enseignantes et les enseignants trouveront donc dans ce document des pistes de travail diversifiées pour guider leur enseignement. Une légende commune accompagne le document de la progression des apprentissages. La flèche indique que l'enseignement doit être planifié de manière à ce que l'élève entreprenne l'apprentissage de cette connaissance au cours de l'année scolaire et le poursuive ou encore le termine l'année suivante en bénéficiant toujours de l'intervention systématique de la part de l'enseignante ou de l'enseignant. L'étoile indique que l'enseignement doit être planifié de manière à ce que la majorité des élèves aient terminé l'apprentissage de cette connaissance à la fin de l'année scolaire. L'espace tramé indique que l'enseignement doit être planifié de manière à ce que cette connaissance soit réutilisée au cours de l'année scolaire. La progression des apprentissages en écriture contient 6 sections qui, chacune, décrivent des comportements importants et nécessaires au développement de la compétence écrire des textes variés. Lexique, orthographe d'usage, conjugaison, accord, syntaxe et ponctuation, et organisation et cohérence du texte. Chaque section comporte 3 tableaux à l'intérieur desquels sont formulés des énoncés décrivant les comportements attendus des élèves de la première à la sixième année du primaire. Ces tableaux traitent des connaissances, des pistes pour l'appropriation des connaissances et de l'utilisation des connaissances en écriture. Le processus de lecture est axé sur la compréhension et l'interprétation personnelle de textes courants ou littéraires
ainsi que sur l'expression de réaction à l'égard de ces textes. Le processus d'appréciation prendra appui sur ce processus de lecture. En lecture, les connaissances requises pour l'exercice des compétences « lire des textes variés » et « apprécier des œuvres littéraires » sont présentées en deux tableaux. Connaissances et stratégies d'une part, et utilisation des connaissances et stratégies en lecture ou en appréciation d'autre part. Pour faciliter la planification de l'enseignement, les tableaux précisent, dans un premier temps, les connaissances liées au texte et celles liées à la phrase, ainsi que les stratégies à développer à chacune des années du primaire. Dans un deuxième temps, ils indiquent l'utilisation de ces connaissances et stratégies dans diverses situations de lecture à partir des composantes de la compétence « lire des textes variés ». Pour faciliter la planification de l'enseignement à chacune des années du primaire, les tableaux présentent, dans un premier temps, les connaissances et les stratégies que les élèves doivent acquérir pour apprécier des œuvres littéraires, lues, vues ou entendues. Dans un deuxième temps, ils précisent l'utilisation de ces connaissances et stratégies dans des situations d'appréciation. Les interactions orales entre élèves contribuent à accroître la compréhension d'un texte, à comparer les interprétations ou à confronter des réactions. La progression des apprentissages pour la compétence communiquée oralement sera diffusée dans les prochains mois. L'équipe de rédaction du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport travaille à sa rédaction afin de fournir aux enseignants du Québec des précisions sur les connaissances que les élèves devront mobiliser en communication orale. Pour faciliter la planification de l'enseignement en chacune des années du primaire, les tableaux présenteront, tout comme pour les autres compétences, les connaissances et les stratégies que les élèves doivent acquérir pour communiquer oralement. Aussi, ils préciseront l'utilisation de ces connaissances et stratégies dans des situations de communication. Des changements importants ont été apportés au régime pédagogique. En voici quelques-uns. Un bulletin unique sera maintenant utilisé par toutes les écoles du Québec. Les étapes seront pondérées afin d'arriver à un résultat final pour l'année en cours. Les résultats des deux premières étapes compteront donc pour 20% chacun, alors que le résultat de la troisième étape comptera pour 60%. Les épreuves obligatoires ministérielles en quatrième et sixième année du primaire compteront pour 20% du résultat final. Les enseignants devront donc tenir compte officiellement des résultats liés à la maîtrise des connaissances en plus des compétences disciplinaires. Le nouveau cadre d'évaluation des apprentissages modifie les critères d'évaluation que devront utiliser les enseignants. Un premier changement important. L'évaluation des compétences « lire des textes variés » et « apprécier des œuvres littéraires » a été jumelée. Le nouveau libellé au bulletin est « lire ». Les enseignants doivent s'assurer du développement de ces deux compétences et de la maîtrise des connaissances identifiées dans la progression des apprentissages. Qu'il s'agisse d'une étape ou du résultat final, un résultat disciplinaire en pourcentage est calculé automatiquement à partir de la pondération des compétences disciplinaires. La pondération des compétences diffère d'un cycle à l'autre. Au premier et deuxième cycle, la compétence « lire » compte pour 50% du résultat disciplinaire, tandis que les compétences « écrire » et « communiquer oralement » comptent respectivement pour 30% et 20% du résultat disciplinaire. Pour les étapes 1 et 2, au moins une compétence doit être évaluée. Pour l'étape 3, les trois compétences devront être évaluées, c'est-à-dire l'enseignant communique le niveau de maîtrise des connaissances prévues dans la progression des apprentissages et du niveau de maîtrise des compétences disciplinaires en tenant compte de tous les critères d'évaluation. Une moyenne de groupe en pourcentage accompagne toujours le résultat disciplinaire. Au troisième cycle,
Les compétences lire et écrire comptent chacune pour 40 % de la note disciplinaire, tandis que la compétence communiquer oralement compte pour 20 % de la note disciplinaire. Les résultats des élèves sont aussi pondérés en cours d'année. Le bulletin de la dernière étape présente aussi un résultat final. Celui-ci est calculé automatiquement à partir des trois étapes selon leur pondération. Les épreuves ministérielles sont pondérées dans le calcul du résultat final. Pour les compétences lire et écrire en sixième année et pour la compétence écrire en quatrième année, les résultats des trois bulletins comptent pour 80 % du résultat final, tandis que les épreuves ministérielles comptent pour 20 % du résultat final. Le résultat final disciplinaire est alors calculé à partir des résultats finaux selon la pondération des compétences.